Salut à tous, ici Shao, et non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien une vidéo de RE5. Mais cette vidéo a une particularité, puisque, attention, petit moment nostalgique, elle a 4 mois. Alors, il y a 4 mois, on a eu un de nos premiers, et non pas le dernier, soucis techniques. Un petit BSOD par-ci, un petit BSOD par-là, et du coup, les rushs ont été totalement coupés. Bon, on s'en est sorti, il nous a fallu 4 mois, et un petit peu de flemme aussi. Et voilà, l'épisode 3 de RE5 enfin disponible. Alors on attend bien évidemment vos commentaires, notamment si ce jeu vous intéresse dans notre nouvelle émission Gaming Canap, une fois qu'on aura terminé Amnesia, lorsqu'on arrêtera de faire des petits épisodes de suspense. Abonnez-vous d'ailleurs, hein, plus il y aura d'abonnés, plus les épisodes seront longs. Oui, c'est du chantage, je l'assume totalement. À vous de faire ce qu'il faut. De toute façon, si vous le faites pas, on fera quand même des épisodes d'Amnesia, hein, mais on sera juste très triste. Et ils seront très très courts. Alors ensuite, vous remarquerez peut-être notre piètre niveau à RE5. Alors sachez que c'est totalement fait exprès, hein. Entre nous, on joue vraiment très très bien, sans erreur. Toutes ces erreurs sont là pour le spectacle, uniquement. C'est vraiment pour vous qu'on joue aussi mal. On promet de s'entraîner à chaque fois, mais c'est uniquement pour vous donner l'espoir d'une progression, hein. Sachez que dans ces vidéos d'RE5, nous serons spécifiquement mauvais pour vous. Allez, je vous souhaite un bon épisode, et puis surtout, un bon flashback 4 mois plus tôt. Pareil pour le prochain chapitre, donc. Alors, on va essayer de looter un peu. Forcément, les trucs planqués ici. Ouais, il y avait effectivement derrière la plante. Tu casses les télés, toi, t'es comme non, ça. Non, mais c'est forcément... Non, bon, allez, je vous l'avoue, il n'y a rien de caché dedans, c'est juste... voilà. Ah oui, je... Nous arrivons dans une gare que je déteste, désaffectée, mais il reste les trains. Et donc, de quoi tendre beaucoup de pièges, oui, effectivement, nous foutre entre les deux. Voilà, ça commence. Ah là là. C'est une hyène, ça, c'est même plus un chien. Oh là 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 là. Ah putain, il m'a eu. C'est horrible. Oui. ouais, c'est bon. Balle de fusil à pompe de l'autre côté. Toujours bon à prendre. Surtout que je crois que c'est des plus 5 minimum, donc c'est toujours intéressant. Bon, je pense que... Est-ce qu'on voit le fait qu'on ait un gilet pare-balles sur nous ou pas? Ouais, c'est visible. Alors, il y a sûrement un truc qui a changé, peut-être au niveau des bras. Ouais, ouais, t'as des coudières, toi. Moi, je... Ah, volant. Chien. Ah non, chien, que je n'ai même pas vu. On peut pas les avoir au couteau en plus. Waouh. Ah, pas trop avancé, parce que encore une fois, je pense que. Fais péter le. Derrière nous. Je crois que je. Dur, hein. C'est vraiment un traquenard. Aïe aïe aïe, putain, ils sont nombreux, hein. J'ai bientôt pu avoir de balles. Et je vais bientôt mourir si ça continue. Ah bon, une balle dans le vide. Ouais, pareil, en fait, on devrait en prendre plus. Ah ouais, c'est simple, j'ai plus de balles de TMP bientôt. Il me reste plus que le fusil sniper. Ah ouais, d'accord. Bon, alors. Ton gun. Ouais, mais j'ai plus de balles non plus. Non plus, vidé. Bon, alors, sur les toits là, vas-y, tu dois pouvoir les sniper. Je vais monter carrément. Ouais. Aïe, 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 effectivement. Ah, ils sont trois, ouais. Et ensuite. Ah ouais, il y a du volant. Ok, génial. Il y a du volant. Ah là là, les esquives. Ah, excuse-moi. Faut plus te sauver. C'est trop proche. Ah, il faut énormément bouger. C'est pour ça. C'est horrible. C'est vrai qu'il peut pas te choper pendant que tu sautes, par exemple. Je l'ai raté. C'est bon. Il y a eu un et deux. Nickel.
Bon, ça commence bien. Ouais. Hein. Ouais, c'est cool. On a bien tout looté. Et moi j'ai des bracelets, enfin des gantelets. Ouais, ça se voit sur le personnage. Ouais. Ah, il y a du TMP là-bas. Je vais être content. Ouais. Désolé, je dois faire tout le tour. Où es-tu d'ailleurs? Ah, t'es redescendu? Ouais. Ouais, donc un petit passage de début de chapitre. Je veux bien les munitions. Particulièrement horrible, ouais. Je vérifie juste qu'il n'y avait rien là-bas. Si. Donc. Ouais, non. Je confirme, il y a. Rien. Ouais, ok. T'es sûr que c'est par là qu'il faut aller ? Ouais. Là, en fait, j'ai en mémoire un petit chariot. C'est ça, moi aussi. Faut pas se faire avoir. Je le cherche. Du coup, c'est là-bas. Voilà, c'est là-bas. J'ai aussi en mémoire des loots. Genre, voilà, ça. 400. Il était déjeté. Voilà, alors je vais me retrouver tout seul dedans. Voilà. Pareil. Come on. Est-ce que Sho et Akenar vont finir ce chapitre vivant? Peut-être la question, tu auras peut-être le moyen de mourir. Ah voilà, ça c'est le moment génial, alors à toi de voir. Alors, t'as plus de munitions que moi, je crois. Ouais, on pourrait faire comme ça. Le déposer. Voilà, c'est ça. Okay. Vérifie bien que t'as la touche pour le lâcher. Non. Alors, perso, j'ai trouvé que ce moment-là était génial. Trop bien trouvé. Trop bien pensé, en fait. Je sais pas quelle touche c'est, mais si c'est. C'est bon trouvé. Okay. En fait, il faut essayer d'éclairer le partenaire qui est devant. Je ne te suis pas. Hein. Pas qu'il se fasse d'ombre. Effectivement, il fait tout noir. Et puis, de temps en temps, bah ouais, je pense que ce sera peut-être amené à le poser, je pense. Stratégiquement. Je crois que c'est aussi ici qu'on va découvrir les premières grenades incapacitantes. Ouais. Voilà. C'est voilà, ce genre de passage qui me fait penser. Quel jeu déjà qui. Où t'as le choix entre ta lampe ou ton arme. Doom 3, je crois. Voilà. Doom, d'accord. Merci Fat. Ouais. Dans Doom 3, c'est assez fou. On a Doom 3 où t'as le choix entre ton Metro, arme ou la lumière. Dans Metro 2033 aussi, visionner les quêtes à coups de briquet sur ouais. Le dans le même genre, ouais. Ah là 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 là, ah. Putain. Alors ça, moyen plus économique, c'est je pense le shotgun. Hein. Là, j'ai pas les grenades en question qui permettent en fait de one-shot les blagards. Bon, là je suis désolé, mais ouais, j'ai essayé de faire de l'économie de balles, en avoir deux pour un. Voilà. Oh putain, je peux pas voir. Ah là 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 là. Non, bah là, j'ai eu chaud. Tu me dis si t'as besoin d'aide. Ouais, encore vivant, hein. Bon, du TMP. On a assez. J'ai aussi un peu pensé à 28 semaines plus tard avec la scène du métro dans la lunette. Ouais, ah oui, aussi. C'est sympa. Pour le repère cinématographique. C'est ça. 28 jours plus tard. D'accord. Voilà un film qui fait bien sursauter aussi. Ah voilà, première grenade. Ah ouais, il m'en offre deux. Alors ça, elles vont être plus qu'utiles. Justement pour se débarrasser en one shot des players. Toujours plus tard dans le genre zombie qui court, c'était un peu innovant. Oh là! Voilà. Et voilà, on en est débarrassé. One shot. Ils aiment pas la lumière, hein. Généralement les tout ce qui est zombies ça. Comme dans le 4, c'était vachement pratique ouais. En fait. Déjà pour gagner les attaques de corps à corps, mais aussi. Alors là, petit truc astuce, je disais bon. Ah non, il est pas activé ici. Je vais me tromper d'endroit. À
Ah, tu fais des attaques de corps à corps avec le... Non, j'ai posé le projecteur. D'accord. Je me disais que c'était un peu abusé quand même. Des coups de projecteur. Ouf. Alors voilà. Attention. Ouais, même quand on la lance loin, ça marche. N'hésitez vraiment pas à utiliser vos grenades. Quand ça... Les gardez pas forcément pour les boss parce que ça... c'est pas forcément... Moi, je vais pas tomber dans le piège. Recule un peu. Ah, désolé. Ouais. Ouais, je l'ai pas vu arriver. Elle était pour moi, en fait. Ouh, pardon. Derrière toi. Okay. Ouais. Dommage qu'ils soient pas éblouis par la lampe. Ah, ils devraient l'être, hein. Ils ont des yeux comme tout le monde. Attention à gauche. Ouais. Enfin, je suppose qu'ils... Ouais, je suppose. On sait pas vraiment, ils ont quand même des yeux rouges. Ils sont censés être un minimum humain. Ouais. Donc, à la base, c'était des humains. On va passer à droite. Voilà. Alors ça va, il y a... plus qu'utile. Ah voilà, c'est les premiers serpents, alors encore une fois pour vous faire sursauter. Petite saloperie venant du 4. J'imagine même pas en vrai la scène que vous vivez. Ah oui, non, oui. Mais c'est pas ce n'est qu'un jeu vidéo, tant mieux. Tant mieux en même temps. Ah, on est bien content. Nous sommes en compagnie de Fat Jambon. Notre assistant Bible. Ah. Un mineur. Voilà. Merde, j'arrive pas depuis tout à l'heure en fait à faire le one shot. J'aimerais bien avoir. C'est les mineurs du Chili. Ils sont bloqués dans le noir. Foiré. Ouais, c'est à ce moment-là qu'en fait le coup brise-nuque devient vraiment intéressant. Oui. Bon, encore une fois, faut l'activer. Alors, on continue dans la grotte. Lumière, s'il te plaît. Ouais, c'est que là, j'ai l'impression de revenir en arrière, non? Non, ah non, c'est bon. Par contre, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas loot, si on revient pas en arrière. On va faire nos mineurs. Ouais, bon, non, allez, rien. Épisode Minecraft. Allez. Bon, c'est toi qui vois. Je peux y aller. Ah non, enfin, c'est toi qui te fais attaquer du coup. Hein. Tu choisis si tu tournes ou pas. Tu veux tourner le truc ou je le fais? Allez. Pareil. Oh, pour ton temps, c'est tranquille. Hein. Tu fais ton track and field là. Me le fais juste pas tomber dessus, c'est tout. Voilà, alors normalement là tu le relâches. Il y a du monde derrière toi. La personne qui choisit vraiment dans la vraie vie de faire ça est une folle. Ouais, le TMP elle a quand même la super capacité de, en une minuscule balle de TMP, offrir un coup de corps à corps. Ouais. Très utile dans le 4 justement pour économiser des balles. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu... Il a pris le projecteur. Voilà. Et il s'est pris un coup de rayon. Voilà. Plus de musique, on est sauvé. Bon, moi, je vais t'ouvrir. J'aurais pu te voir depuis le début, mais c'était marrant de te voir. C'est gentil, les barreaux. Merci. Voilà. Come on.